présidentielle, saluant l'arrivée du président de la République, M. Jean-Claude Duvalier. Dans quelques instants, le président va prononcer Excellences, Monsieur le Président Appui de la République, Excellences, l'Honorable Première Dame de la République, au calendrier des dates fastes de l'histoire nationale, le jour des aïeux revêt pour nous une importance d'autant plus particulière qu'il se situe dans la ligne des nobles traditions instaurées par la Révolution au pouvoir. En effet, je ne sache pas de moment plus pathétique que celui de notre rassemblement autour de vous pour honorer la mémoire des pères de la patrie et conforter par le message du chef de l'État l'infléchissement de notre quête ininterrompue sur la voie glorieuse que nous ont tracée les illustres protagonistes de la geste de 1804. Et, depuis 8 ans, Monsieur le Président Habib de la République, quand revient le 2 janvier, votre peuple se sent galvanisé dans l'attente de votre message, convaincu que la voix impérative de son chef bien-aimé parachève les prolongements des échos d'épopée répercuté par notre histoire. En effet, plus qu'aux autres heures de dialogue, votre verbe va raviver le souvenir des forgeurs de l'indépendance nationale et non plier à la seule manière d'aimer la patrie que nous connaissons, Monsieur le Président Habib, c'est-à-dire en nous inspirant de vos consignes et en alliant nos démarches sur celles que vous entreprenez en vue de l'enrichissement et de l'embellissement du patrimoine que nous ont légué les fondateurs de la nation. L'insigne privilège qui m'est cher de préfacer le chapitre le plus expressif du cérémonial du jour s'amplifie au souffle puissant de la fierté qu'éprouvent les millions de Dessaliniens gagnés à la doctrine d'unité nationale que vous préconisez au chantier de cette société haïtienne de paix et de progrès qui se profile à l'horizon de la révolution économique et qui doit être l'œuvre commune de tous ceux qui se veulent dignes d'être les descendants des preux de 1804. À vous donc qui avez établi les stratégies de cette révolution, à vous qui en assurez la marche triomphale avec tant de maîtrise, à vous, Monsieur le Président Habib de la République, revient le droit de faire le point de la conjoncture et de dégager aujourd'hui les perspectives d'avenir du développement haïtien. Fidèles et fervents comme nos ancêtres des premiers temps de la combine nationale, le peuple de la Nouvelle-Haïti, dans un même élan d'enthousiasme, s'apprête à écouter la voix du maître d'œuvre. Aussi, Votre Excellence voudra-t-elle bien me permettre de la prier de prendre place au microphone. Je la remercie. Concitoyens et concitoyennes, je me retrouve à cette tribune traditionnelle du 2 janvier, non seulement grandi dans la ferveur du culte des aïeux, mais surtout le verbe dynamisé par le vaste et irrésistible courant des accélérations successives imprimées par l'histoire de notre société pendant bientôt 2 siècles à l'émergence des républiques postcoloniales. Je me retrouve et je vous retrouve la flamme revivifiée
au souffle d'un héros, d'une des plus grandes entreprises universelles de la liberté, géant qui propagèrent le génie libérateur de 1804 en faveur des majorités du Nouveau Monde contre la citadelle d'oppression. Et parce que nous sommes, vous et moi, les héritiers légitimes de ce bâtisseur de civilisation caraïbe et américaine, d'égalité et de justice, il est légitime que la réflexion et le discours politique du jour revendiquent notre noblesse et notre fierté d'avoir aujourd'hui accentué l'enrichissement du patrimoine avec le nouvel armement stratégique des batailles de la paix. Le développement, comme vous le savez, constitue le champ opérationnel de ces combats. Les meneurs successifs de l'après-1804, confrontés à l'urgence de la reconversion du contrat social nouveau, formulé par la révolution politique de notre indépendance nationale, auront parcouru une longue marche entrecoupée de ruptures douloureuses. Nous avons reçu de leur quête d'équilibre entre des classes déterminées par la stratification saint-dominguoise, cette admirable plateforme aménagée par le leader de 1957, mon illustre prédécesseur et père, le docteur François Duvalier. Prenant appui sur ce support de l'unité nationale, nous avons donné le branle à notre révolution économique, ensemble de propositions et d'entreprises efficientes pour conduire la communauté dessalinienne au terme de son destin de grandeur. L'histoire de la première décennie de mon leadership retiendra, avec les masses et les élites haïtiennes, que la mise sur rail de cette stratégie est effectuée dans le dialogue démocratique. Nous avons systématiquement et progressivement dynamisé les instruments gouvernementaux de communication avec le peuple, y ajoutant le plus souvent possible la concertation d'homme à homme sur le terrain de l'arrière-pays pour motiver et mobiliser au profit de la grande croisade du développement les couches jadis les moins sollicitées. La tribune de la coordination et de l'information a connu un remarquable effort de croissance et d'amélioration qui vient de culminer après la modernisation du journal Le Nouveau Monde et l'implantation de la radio nationale avec la mise en ordre de la télévision nationale. Et cette politique d'équipement de l'information s'est également préoccupée de la qualification des cadres dont plusieurs se sont recyclés ou spécialisés dans des centres étrangers technologiquement plus avancés. J'éprouve la plus grande fierté de pouvoir clamer à la face du monde que les médias gouvernementaux ne se sont jamais écartés de la noble et patriotique mission de véhiculer la seule thématique susceptible d'enrichir la formation spirituelle, morale et culturelle de l'homme haïtien dans le respect rigoureux de son identité, de sa dignité et de son rêve de développement. Je me suis même volontairement dépouillé de toute tendance monopoliste, qui se fut d'ailleurs irréfutablement justifiée dans la suprématie des intérêts de la révolution économique pour ouvrir un espace libéral à la circulation de l'information et de l'opinion. J'en espérais et j'en espère encore une concertation féconde des intelligences et des talents autour des objectifs essentiels de l'avenir en construction, l'exploitation fructifiante, la critique objective et de l'autocritique honnête au profit de la réflexion quotidienne et collective sur la réalité nationale. Et mon espoir sera fermé
la certitude d'avoir récemment indiqué la voie de la grandeur par l'exemple et la leçon. Je continuerai, haïtiens mes frères, à stimuler l'épanouissement progressif de notre démocratie avec la participation des catégories intellectuelles comme moi, motivées pour l'entreprise de promotion économique de la majorité et de la société tout entière. Le libéralisme gouvernemental génère et procède de notre remarquable politique de paix et d'harmonie. Au département de l'Intérieur et de la Défense nationale, où fonctionnent chaque jour les mécanismes de sécurité des personnes, des biens et du territoire, des cadres conscientisés veillent scrupuleusement sur le maintien rigoureux des conditions de cette paix. Ils en auront garanti l'existence, le renforcement par une approche souple et flexible des activités du corps social, laquelle se révèle suffisamment intelligente pour désamorcer les tendances les moins caractérisées aux antagonismes futiles. Toute cette stratégie implique, bien entendu, une étroite participation à la politique gouvernementale de décentralisation avec un programme systématique de réhabilitation des communes et municipalités de 9 départements géographiques de la République. Nous avons atteint à ce carrefour de 2 décennies hautement significatives le moment historique de la grande combite pour une accélération percutante de la révolution économique. En effet, chers concitoyens, l'œuvre grandiose en gestation nécessite non seulement l'ordre, la paix, la stabilité, le nationalisme éclairé, la confiance réciproque entre les diverses composantes de la communauté nationale, mais encore, et ceci découle de cela, la mise en œuvre d'une politique économique et sociale réaliste. Par ainsi, se définit et s'impose le rôle du pouvoir politique en tant que gestionnaire et coordonnateur des activités de tous les secteurs. Les choix et les priorités retenues par mon gouvernement participent de tous les aspects de la vie nationale. Les objectifs majeurs poursuivis durant l'exercice écoulé visaient à garantir la suffisance alimentaire, à réduire le déficit de la balance commerciale, à améliorer les revenus des masses urbaines et rurales, à stabiliser les prix intérieurs des biens essentiels et à contenir l'inflation. Cette nomenclature non exhaustive situe ma philosophie politique de régénération progressive et certaine de l'homme haïtien. Et les pouvoirs publics se sont dotés des moyens qui permettent d'en projeter la vision sur la réalité. Des mesures pertinentes ont porté sur la fiscalité, les prix, le crédit et la dépense publique. Avec l'exercice 1979-1980, mon gouvernement franchit un nouveau seuil et accède à un nouveau palier dans la lutte contre le sous-développement. Donnant suite aux engagements souscrits aux assises de la commission mixte tenue à Washington en août 1979, l'État haïtien a centralisé en un compte unique dénommé Trésor public toutes ses recettes fiscales dont la perception désormais est exclusivement confiée aux 2 administrations suivantes, l'Administration générale des douanes et l'Administration générale des contributions. Du même coup, sont rentrés dans le Trésor public pour être redistribués
après comptabilisation, toutes les recettes affectées auparavant à d'autres fins. C'est à partir de cette décision que l'Office du budget a établi le budget global qui embrasse pour la première fois la totalité des ressources de l'État et prend en charge l'approvisionnement de tous les organismes publics par des allocations budgétisées. Cette réforme profonde est engagée en vue d'arriver à une présentation du budget national nouvelle tant dans ses éléments essentiels que dans sa structure même. D'un montant global de 192 millions de gourdes pour l'exercice fiscal 958-1959, le budget national est passé à un montant de 1,7 milliard de gourdes pour l'exercice en cours. Cette performance révélatrice s'explique en particulier par l'application des mesures adoptées par mon gouvernement dans le cadre de la réforme fiscale et budgétaire. Celle-ci s'est attachée principalement à l'amélioration des structures budgétaires afin d'adopter une classification fonctionnelle devant déboucher sur une programmation et une distribution rationnelle des recettes et des dépenses publiques. Ce réaménagement positif des structures doit conduire nécessairement à une meilleure coordination des tâches, la planification globale du développement national et la consolidation des comptes gouvernementaux, créant ainsi un cadre plus conforme à une gestion efficiente du secteur public. Notre politique fiscale s'est engagée, d'une part, dans le contrôle rigoureux de la perception des recettes afin d'éliminer la fraude ou l'évasion, d'autre part, dans l'expertise systématique des franchises douanières consenties par l'État aux investisseurs industriels, et elle s'oriente de plus en plus vers la justice fiscale. Pour la première fois dans l'histoire financière de notre pays, les recettes et la dépense réelle de l'État ont pu être déterminées avec exactitude et les prévisions de rentrée budgétaire ont été dépassées. Ce bilan positif de croissance illustre ma politique d'équilibre dynamique entre les secteurs de l'économie nationale. Mon gouvernement a dû intervenir de plus en plus, souvent afin de fixer les prix de certains produits de première nécessité et de certains services qui, laissés au libre jeu de l'offre et de la demande, se seraient trouvés très vite hors de portée des catégories sociales à bas revenus. Dans les prochains mois, l'action du département du commerce et de l'industrie s'accentuera sur une révision de la législation sur les prix en coordonnant les divers textes actuels concernant la matière et en les adaptant aux nécessités du moment. La détermination de marges bénéficiaires pour les principaux produits de première nécessité et les services essentiels. Une réorganisation qualitative et quantitative du service d'inspection des comptoirs de produits de consommation. L'expérimentation de magasins pilotes qui seront installés dans les zones d'habitat des catégories sociales les plus défavorisées et qui auront pour but de mettre à leur portée des produits courants à bas prix.
Il importe de signaler que ma politique de lutte contre l'inflation et de stabilisation des prix va utiliser de plus en plus largement l'instrument tarifaire qui consiste à proposer à l'autorité financière la réduction des taxes sur les produits de première nécessité et à compenser la baisse de recettes subséquentes par l'aggravation de la fiscalité sur les produits de luxe ou non essentiels. Et pour absorber le plus que possible le méfait de l'inflation importée, j'ai prescrit et obtenu que l'extension des opérations de crédit à moyen et long terme, leur orientation privilégiée vers les secteurs productifs de l'agriculture et de l'industrie provoque une relance certaine et substantielle de l'économie nationale. Dans cette ligne d'action, l'effort conjugué du département du commerce et de l'IDAI visera également la distribution du crédit aux petites et moyennes entreprises. Il convient de souligner la création et l'organisation de la Banque centrale et de la Banque nationale de crédit en lieu et place de l'ancienne Banque nationale de la République d'Haïti. Le pouvoir monétaire que détient la Banque centrale par sa fonction de création de la monnaie obligatoire consiste à faire en sorte que notre économie soit correctement irriguée en moyens de paiement pour ne pas gêner les transactions des entreprises et des particuliers ni provoquer de récession ou de tensions inflationnistes. En liaison avec les pouvoirs publics, la Banque centrale doit sauvegarder la valeur de la monnaie nationale en adaptant sa création à nos besoins économiques. En définitive, nous voulons que la Banque centrale soit étroitement associée à la politique nationale du développement économique et social. L'expansion de l'industrie se développe dans le cadre de la loi sur les industries nouvelles qui stimule l'investissement par l'octroi d'avantages fiscaux et douaniers. Des entreprises de sous-traitance représentant un investissement global de 5 millions de dollars et génératrices de 3 500 emplois nouveaux se sont installés au cours de l'année écoulée. Ce résultat s'amplifiera dans les prochains mois grâce à l'action de l'ONAPI devenue récemment fonctionnelle et qui ne tardera pas à atteindre son véritable rythme de croisière du fait de la mise en place récente de ses organes de direction. Les bénéfices de cette politique se traduisent en chiffres dont l'éloquence se passe de commentaires. Cependant, cette croissance plus que significative ne doit pas faire oublier la persistance de certains déséquilibres structurels et la tendance déficitaire de la balance commerciale. L'un des coefficients de nos échanges extérieurs au cours des 5 dernières années a été en effet le déséquilibre de plus en plus marqué entre nos importations et nos exportations. Tandis que les prix des produits importés ont suivi le mouvement inflationniste ascensionnel, les produits exportés ont vu leurs prix stagner quand ils n'ont pas carrément reculé. Pour pallier à ce déséquilibre, un service de promotion des exportations a été créé au sein de la Direction du commerce extérieur du département du commerce et de l'industrie et s'assigne comme tâche essentielle la recherche de débouchés nouveaux pour nos produits
accompagnée d'une incitation à l'amélioration de la qualité des produits extérieurs. L'action de mon gouvernement se veut coordonnée pour un développement socio-économique intégral de l'homme haïtien. C'est pourquoi, peuple haïtien, convaincu que la poursuite d'un développement industriel efficace ne peut se réaliser en ordre dispersé, je recherche avant tout une meilleure coordination entre les autres organismes publics. C'est dans cet esprit que le département du commerce et de l'industrie travaille conjointement avec l'Institut de développement agricole et industriel en coopération avec l'ONUDIC en vue de la réalisation d'un complexe textile intégré dans le plateau central, plus précisément à Tomonde. L'exécution de ce programme devrait susciter 3 000 emplois directs et indirects. D'autre part, en conformité des directives contenues dans le plan d'action immédiate, le département du commerce et de l'industrie favorise hautement la création d'une fédération des industriels haïtiens organisée à partir de branches d'activité spécialisées, de même qu'il travaille actuellement à la mise en place d'un système de concertation permanente avec les industriels afin d'examiner avec eux les questions spécifiques de leur branche et envisager les solutions les plus adéquates. Et le dialogue avec les agences de coopération externe, la concertation avec le secteur privé s'approfondisse intelligent, prospectif et axé sur notre réel. Engagé dans un processus de développement dynamique et pour prévenir toute cause de freinage, notre économie doit être soutenue par des services collectifs nombreux, importants, efficaces. Aussi, l'État prend-il de plus en plus en charge les secteurs de grande utilité nationale, comme en témoigne le niveau des investissements publics durant l'exercice écoulé. Investissement s'élevant à plus de 620 millions de gourdes courantes d'origine interne et externe. Le secteur des infrastructures routières s'est enrichi des réalisations suivantes. Poursuite de la construction de la phase 2 de la route du Sud, Vieux Bourdaquin, Les Cailles. Reconstruction de routes asphaltées de deuxième classe dans la plaine du Nord, réhabilitation de routes secondaires agricoles, Saint-Raphaël-Pignon, Grande-Rivière-du-Nord-Baron, Les Cailles-Campérin et Carrefour-Tomazo-Tomazo, reconstruction de routes de desserte dans l'aire de l'ODN. Parallèlement, se sont effectués les travaux d'entretien des deux principaux axes routiers et de certains tronçons de routes départementales, notamment Mirebalais-La Chapelle et Mirebalais-Tomonde. Le transport maritime a élargi son champ d'activité, soit par l'adoption de mesures institutionnelles appropriées, création du service du cabotage national, soit par des réalisations concrètes, achèvement de la reconstruction de l'ancien wharf de Port-au-Prince, construction de 3 ports de cabotage à Port-de-Paix, Port-au-Prince et Jérémie, soit par des études de réalisation prochaine, études du port du Cap-Haïtien, études de l'installation d'aide à la navigation, phares et balises pour tout le pays. À l'actif
du transport aérien doivent être retenus les importants travaux exécutés à l'aéroport international François Duvalier de Port-au-Prince, l'extension de 2000 pieds de la piste d'atterrissage lui permettant de recevoir les plus gros types d'avions, l'agrandissement du complexe d'accueil et de l'aire de parking pour avions, l'augmentation de la capacité des entrepôts constituent autant d'interventions heureuses. Allant de pair avec ces travaux, des stages d'entraînement ont familiarisé tout le personnel avec les moyens de lutte contre l'incendie. Ajoutons-y la formation de 20 nouveaux opérateurs radio, un financement de près de 120 millions de gourdes de ressources tant internes qu'externes a été affecté à ce sous-secteur. L'achèvement et la mise en opération de la centrale hydroélectrique Jean-Claude Duvalier de Drouet ont augmenté le potentiel énergétique des villes de Saint-Marc et des Gonaïves, électrifié les bourgs de Ponsondé, Pont-l'Esther et une bonne partie de la plaine de l'Artibonite. Du même coup, les pompes d'irrigation de Déronville ont bénéficié d'une source d'énergie stable et peu coûteuse. D'autres villes ont été dotées d'installations thermiques de génération du courant électrique, citant Gangoive, Marfranc, Wanamette, Saint-Louis-du-Nord. Les investissements consentis à ce sous-secteur ont atteint un montant de plus de 40 millions de gourdes, dont 22 en ressources nationales et 18 en aide étrangère. La structure de télécommunications, facteur important du développement, ont été renforcées de façon appréciable. La CAMEP, de son côté, a réalisé des travaux d'envergure pour augmenter la quantité d'eau potable disponible et en assurer une meilleure distribution dans la capitale. Un grand dossier d'études et de projets figure au canevas de travail du département des travaux publics pour les mois à venir. Il couvre entre autres, le drainage de Port-au-Prince, la construction du boulevard de la Saline, l'érection du marché de la Croix des Beaux-Salles et l'asphaltage des rues dans certaines agglomérations urbaines de province. Cette politique de l'environnement s'est étendue à l'encadrement des conseils communautaires afin d'en stimuler la créativité dans l'aménagement de leur milieu et la production toujours plus élargie de biens d'usage et de consommation. Peuple haïtien, si dans mon message du 22 septembre 1979, j'ai accordé une place prépondérante au secteur agricole. C'est parce que je demeure convaincu que la performance enregistrée jusqu'ici dans ce domaine n'accède pas encore à la vitesse de croisière de l'économie nationale. Le bilan des activités du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural atteste sans doute d'une dynamique axé sur la promotion de la classe paysanne. Néanmoins, le mouvement coopératif et l'action communautaire, base sur laquelle doit s'ériger l'édifice d'une agriculture capable d'être réconciliée avec les objectifs de promotion économique et sociale du paysan haïtien,
mérite une plus grande attention. L'insertion de nos planteurs dans le courant de la modernité, compte tenu de notre régime foncier, ne peut être réalisée en dehors des structures d'organisation coopérative ou paracoopérative, seules aptes à conditionner la formation des leaders, l'introduction massive et harmonieuse des technologies améliorées au moindre coût, ainsi que la planification de la production et de la commercialisation. C'est pourquoi j'ai instruit le titulaire du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural d'entreprendre des démarches urgentes destinées à relancer le mouvement coopératif. Il va de soi que la refonte du cadre institutionnel de ce ministère est un préalable à nos ambitions. Tout en satisfaisant les légitimes aspirations des populations concernées, cette stratégie devra se conformer aux exigences de l'accélération du développement agricole et de la croissance économique. Les 1410 hectares irrigués, les plantations de 600 hectares de café, de 250 de cacao, les 600 croisements de bovins enregistrés, les 123 hectares de terres reboisées, les 110 600 mètres de canaux contours, les 25 000 poussins mis à la disposition des petits éleveurs, le million d'alevins distribués à travers le réseau de bassins piscicoles, les quelque 3 millions de gourdes investies à partir du bureau de crédit agricole, l'assistance à 186 conseils communautaires, la formation de 130 leaders paysans qui ont également diffusé de nouvelles connaissances à quelque 3 680 exploitants agricoles, sans oublier l'excellent programme permanent de production vivrière, constitue certes un actif au crédit du département de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Toutefois, il convient de souligner que même à ce rythme, la croissance de notre production agricole ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs alimentaires ni de résoudre nos problèmes de développement qui, à long terme, risquent de s'amplifier. Mon plan d'action immédiate dans le secteur agricole vise donc l'augmentation globale des denrées alimentaires, celle des revenus des agriculteurs et la relance de l'emploi dans le monde rural, ce qui enrichira la diète alimentaire du peuple haïtien tout entier. Je m'en voudrais pourtant de ne pas faire ressortir que les perspectives d'avenir de notre agriculture s'annoncent des plus prometteuses. Notre optimisme puis sa raison d'être dans la nouvelle stratégie élaborée. J'ai instruit le responsable du département de l'agriculture d'étudier la mise en valeur des hautes terres déclivées afin d'élever le niveau de vie de leurs habitants tout en protégeant nos ressources en sol. Dans un futur pas trop lointain, l'effort gouvernemental dans le domaine de la recherche appliquée obtiendra pour nos techniciens la possibilité de mieux cerner la réalité multiforme de notre agriculture qui cherche encore sa voie à travers cette large gamme de paramètres bio-écologiques d'un territoire caractérisé par de fortes pentes, un climat erratique et une insuffisance des eaux de surface.
Dans le cadre de la révolution économique engagée sur différents fronts par le gouvernement de la République, nos espoirs pour un lendemain meilleur se fondent aussi sur la promotion de l'industrie minière et l'exploitation rationnelle de nos ressources énergétiques. En exécution de la politique prévue pour le secteur minier, il a été entrepris une campagne très poussée de reconnaissance et de prospection générale à l'échelle du pays. De même, des dispositions ont été adoptées pour stimuler les investissements tant nationaux qu'étrangers. Au cours de l'année 1979, face à l'aggravation de la crise énergétique mondiale, des efforts particuliers ont dû être consentis dans la recherche et le développement des sources non conventionnelles d'énergie, telles la géothermie, la bioénergie, l'énergie solaire. Un accord a été signé avec l'Organisation latino-américaine de l'énergie pour la participation de notre pays à des travaux régionaux de reconnaissance géothermique. La première phase de ces travaux, commencée en juillet dernier, a déjà abouti à des résultats encourageants quant à l'existence en Haïti d'un potentiel géothermique à moyenne et basse enthalpie. Un autre accord avec la République fédérale d'Allemagne nous permettra, à partir de janvier de la présente année, de commencer les forages en vue de préciser le tonnage du gisement de lignite de Mahissane, estimé en fonction des travaux de prospection préliminaires à environ 40 millions de tonnes. Les recherches au laboratoire du département des mines et des ressources énergétiques se sont intensifiées pour la mise au point d'un combustible artificiel de substitution au charbon de bois et au bois utilisé comme combustible dans la petite et moyenne industrie. En ce qui a trait à l'énergie solaire, les techniciens du département des mines et des ressources énergétiques ont conçu et réalisé un séchoir solaire parallèlement à l'expérimentation des fours, chauffe-eau et distillateurs solaires fabriqués en Afrique. Dans le domaine de la recherche pétrolière, les techniciens haïtiens et étrangers se sont astreints à l'analyse et à l'interprétation des données de prospection et de forage recueillies au cours de la première phase des recherches préparatoires à une nouvelle campagne de prospection géophysique dans la partie centrale du pays. Ces travaux seront menés par la Anschutz Overseas Corporation, avec laquelle un contrat pétrolier a été signé, faisant suite à la forclusion de celui qui liait l'État haïtien à la compagnie IDECA, qui n'a pas pu honorer ses engagements contractuels. Pour les minéraux métalliques, la prospection générale de la partie nord du pays a été achevée. Les travaux d'évaluation des gîtes de Douvray et Blondin au sud de Terrier-Rouge, de même que les chantiers de Mont-Organisé et de Vallière, opérationnels depuis un an, se sont poursuivis suivant le calendrier prévu. Plus de 5000 mètres de forage ont été réalisés et les échantillons recueillis sont analysés au laboratoire du département des mines et des ressources énergétiques. Un nouvel objectif, or, cuivre, argent, a été mis en évidence du côté de la Grande Rivière du Nord sur la base des données géophysiques et géochimiques.
550 000 tonnes longues de minerais secs de bauxite ont été exportées du port de Miragouane. La prospection de la bauxite en dehors de Miragouane se poursuit en tenant compte de la possibilité de son utilisation à des fins non métalliques. En ce qui concerne les minéraux non métalliques, l'accent a été mis sur la reconnaissance des indices d'argile, de sable siliceux et de japs. Les travaux d'évaluation des indices de sable bitumeux de la Grandence ont commencé au mois d'octobre 1979 par une reconnaissance géologique de surface et le percement d'une route d'accès au site. Après 2 années de prospection, les premières carrières de marbre ont été ouvertes dans la région des Gonaïves. Dans un effort conjoint du secteur public et du secteur privé, l'installation d'ateliers de traitement actuellement en cours permettra la commercialisation du produit fini dans un avenir très proche. L'éclosion de cette nouvelle industrie apparaît comme un symbole de la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé national dans la lutte contre le sous-développement. Il est évident, haïtiens, mes frères, que cette politique recherche le plein emploi et l'autarcie alimentaire. Et mes démarches de santé procèdent de la même volonté de régénération nationale. Dans les établissements de santé de Port-de-Paix, des Gonaïves, du Cap-Haïtien, de Saint-Maur, de Hinche, de Jacmel, d'Écaille ou de Jérémy, d'importantes modifications ont été opérées, allant de simples réparations à l'addition de nouveaux services ou à la rénovation complète des édifices. Des travaux similaires ont été entrepris dans tous les centres de santé de la capitale et à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, où vient d'être inauguré un complexe chirurgical de 3 étages pourvu de matériel et d'un équipement moderne. De même, la majorité de nos hôpitaux de district dispose actuellement d'ambulances, d'appareils de radiographie et d'une salle d'opération. Le programme de régionalisation médico-sanitaire entrera cette année dans sa phase de prestation effective. Avant la fin de ce mois, seront mis en service dans le seul district sanitaire de Miragouane les nouveaux édifices de l'hôpital de Miragouane, du centre de santé avec lit d'Aquin, de même que la dispensaire de la petite rivière de Nippe, de Changevieux, d'Asile et de Mouillage Fouquet, tandis que dans le Nord-Est commencera à fonctionner le centre de santé avec lit de Fort-Liberté, qui se veut à juste titre un exemple de ce que le mouvement communautaire, l'État et l'assistance internationale peuvent réaliser quand ils coopèrent au relèvement socio-économique d'une collectivité. Par ailleurs, il est très probable qu'avant la fin d'octobre 1980, les populations du Nord et du Sud reçoivent des soins de santé plus élargis. Les 4 autres régions sanitaires de la République seront prochainement pourvues. Des travaux de réaménagement et d'agrandissement sont en cours au local de la faculté d'odontologie
où seront installées bientôt 35 colonnes dentaires ainsi qu'un équipement complet de laboratoire. Les activités de diverses sections de la division d'hygiène familiale ont été intensifiées et ont permis d'étendre les programmes de planification familiale et de protection materno-infantile. Les activités de cette division se sont intégrées au plan national de santé. Des vaccins ont été distribués, des visites domiciliaires effectuées, des données épidémiologiques collectées pour bâtir une meilleure carte de surveillance sanitaire. Le pouvoir judiciaire, garant du contrat social, suit avec fidélité le rythme de croissance de notre société. C'est ainsi que pour plus d'efficience et d'efficacité s'opère le rajeunissement des cadres pour une meilleure et plus dynamique distribution de la justice. Des séminaires de recyclage adaptent les notaires, les juges de paix, les officiers d'état civil aux nouvelles conditions du pays haïtien. Quant aux archives nationales, mémoire officielle de notre peuple, elles se mettent à l'heure du développement. L'institution s'équipe au fur et à mesure de moyens modernes aptes à lui assurer la conservation et l'utilisation rationnelle des documents qu'elle détient. Par ailleurs, alarmée par de nombreuses plaintes fondées sur des dépossessions arbitraires, le département de la justice, suivant mes instructions, s'est attaché à rétablir dans leurs droits et prérogatives les propriétaires indûment spoliés. La commission présidentielle agraire permanente s'est vue soumettre 258 affaires en 1979. 206 d'entre elles ont été évacuées. Les 52 autres sont en cours d'examen. Dans la vallée de l'Artibonite, l'administration générale des contributions s'est référée à cette commission pour 260 dossiers. Et l'instance a reconnu valable les titres de 67 parcelles. De judicieuses mesures législatives sont venues renforcer notre environnement juridique pour une harmonisation encore plus accentuée des rapports sociaux. Je pense au décret du 29 mars 1979 réglementant sur de nouvelles bases la profession d'avocat, à la loi du 26 juillet 1979 modifiant l'article 48 de la loi du 5 septembre 1951 sur l'appel en matière pénale, à la loi du 5 septembre 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la loi du 6 septembre 1979 instituant à Port-au-Prince le tribunal spécial du travail, au décret du 28 septembre 1979 créant dans la juridiction de Port-au-Prince un quatrième cabinet d'instruction. Mes démarches gouvernementales d'ouverture et d'intelligente justice sociale ne peuvent souffrir que la femme haïtienne soit encore assujettie à des restrictions aberrantes. Si, pour l'accession d'une de nos concitoyennes à la magistrature, l'année 1979 a marqué une solennelle et expressive étape de l'évolution de ses droits, 1980 comptera prestigieusement dans sa marche vers une libération totale et définitive.
la commission de refonte des codes haïtiens travaille à des projets de loi tendant à changer et à améliorer le statut légal de la femme haïtienne. L'an dont nous sommes au deuxième jour accélérera la réalisation de l'Institut des hautes études juridiques et de la Chambre des notaires d'Haïti. Les lois organiques y relatives seront bientôt élaborées. Dans mon optique de justice et de promotion, j'ai confié au ministère des Affaires sociales la mission de défendre ma stratégie du développement économique et social, de défendre les intérêts sociaux des travailleurs et de poursuivre les objectifs d'emploi de mon programme de gouvernement. Ma politique tend vers la modernisation des structures et des fonctions humaines de l'administration publique du travail, la mobilisation des ressources humaines et la participation systématique des divers groupes d'intérêt dans la formulation, l'élaboration et l'exécution des décisions en faveur de la productivité et du bien-être généralisé. J'ai noté avec satisfaction que l'année 1979 a été marquée par une affirmation accrue de la conscience ouvrière, une plus grande harmonie dans la relation entre le patronat et le salariat et une médiation plus ouverte et plus active de l'administration publique du travail. Ces conquêtes sociales, qui marquent de façon irréversible la démocratie haïtienne et lui confèrent un statut exemplaire, seront intensifiées par un vigoureux effort de modernisation des structures et des fonctions du ministère des Affaires sociales. La réorganisation du service de l'inspection générale et de la main-d'œuvre, permettant ainsi d'améliorer la connaissance scientifique du milieu industriel et d'aménager des possibilités d'intervention ponctuelle dans les relations de travail. Ma politique de l'emploi étant corrélative d'un système de sécurité sociale adapté aux conditions socio-économiques du milieu haïtien, j'ai décidé de regrouper l'Office d'assurance accident maladie maternité, l'Office national d'assurance vieillesse, l'Office national du logement, l'Institut du bien-être social et de recherche dans une entité organique cohérente dotée des moyens matériels et techniques adéquats. L'imposant bâtiment de la Direction générale de la sécurité sociale concrétisera dans le béton cette dimension fondamentale de ma gestion des affaires de l'État. De concert avec son effort d'industrialisation, mon gouvernement a procédé par le canal de l'Office national d'artisanat un inventaire de la production artisanale et des matières premières, à l'introduction de nouvelles branches de production, à la fourniture de matériel, d'assistance technique et de formation professionnelle aux organisations artisanales déjà établies. L'année 1980 sera marquée par la mise en marche une politique élargie d'assurance maladie et maternité par des mesures de protection accrues en faveur des ouvriers industriels et agricoles, par la construction accélérée de logements sociaux à Port-au-Prince, dans la ville de province et dans l'arrière-pays, par une assistance de grande envergure aux catégories sociales marginales des villes et des campagnes.
Je ne cesserai, dans le présent et dans l'avenir, d'insister sur l'importance que revêt pour ma révolution économique une politique sociale d'avant-garde soucieuse de l'affirmation de notre identité culturelle et génératrice d'innovation technologique. C'est là une responsabilité et un engagement auquel je convie tous mes concitoyens et mes concitoyennes. Mon gouvernement, qui considère l'éducation comme l'un des principaux leviers du développement, a accordé à ce secteur toute son attention. Face aux besoins immédiats de masse de l'arrière-pays, mon gouvernement a su imposer cette dynamique à un vaste plan d'action. En effet, pour réduire les inégalités d'accès à l'éducation, 5 innovations ont été introduites dans notre système éducatif. La définition de notre programme d'enseignement, du profil d'entrée et de sortie de l'écolier haïtien. L'introduction d'un programme de pré-apprentissage, l'accès par la grande porte du créole haïtien à côté du français comme langue d'enseignement dans nos écoles. La suppression des examens officiels du certificat d'études primaires. Les augmentations de l'ordre de plus de 60% accordées aux instituteurs et qui élèvent leur salaire de base de 300 à 500 gourdes. Peuple haïtien, je prends plaisir à souligner également que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget de l'éducation dépasse celui de la défense. Ces dispositions ont été prises afin de concrétiser les objectifs prioritaires du plan quinquennal 1976-1981. En effet, entre 1980 et 1982, plus de 170 écoles primaires auront été implantées en zone rurale et 20 seulement en zone urbaine, grâce à des projets financés par des prêts de l'AID et de la BID. Ajoutons-y celles édifiées par les communautés para-urbaines et les établissements fondés à partir de ressources tirées du budget national et de l'assistance bilatérale. Tandis qu'en 1976-1977, 572 000 625 élèves fréquentaient les institutions de la République. En 1978-79, il a été enregistré 659 249. Mais mon gouvernement entend que la projection faite dans le cadre du plan quinquennal soit respectée. Aussi, à la fin de l'année 1981, 695 931 jeunes pourront jouir des bienfaits de l'instruction. À partir du nouvel organigramme voté par l'Assemblée nationale en septembre dernier, j'ai doté les responsables de l'éducation de moyens susceptibles d'assurer un meilleur fonctionnement du système et de tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès de nos écoles. En 1990, 9 enfants de plus chaque année, et en 1990 et l'an 2000, à 7,5% d'enfants de plus. Actuellement, plus d'un millier de jeunes d'âge scolaire suivent le soir des cours d'alphabétisation
se familiarise avec le développement communautaire, écoute les émissions de la radio éducative et reçoive une formation dans les techniques artisanales. 5000 enseignants des secteurs publics et privés sont préparés en vue de l'application du nouveau programme. Au niveau de l'enseignement secondaire, pour absorber le taux toujours croissant de la clientèle, mon gouvernement a décidé de construire 7 lycées d'une capacité minimum de 2000 élèves chacun. En outre, un 8e à vocation classique et professionnelle, comportant 60 salles de classe, sera érigé dans la zone de Sans-Fil à Saint-Martin. Le commerce et l'industrie participeront à l'édification de ce bâtiment. Il est aussi prévu la construction de 2 nouvelles écoles professionnelles et techniques secondaires, d'un centre de perfectionnement rapide et d'une école moyenne d'agriculture capable d'héberger 175 étudiants sous le régime de l'internat. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, des études sont menées en vue de la formation intégrée des élites intellectuelles. L'ONAC poursuit inlassablement son programme d'éducation des adultes. Plus de 2000 conseils d'action communautaire enregistrés exécutent partout des travaux d'infrastructure allant de la percée de routes de pénétration jusqu'à l'adduction d'eau potable et l'électrification. Cette programmation, dont je contrôle personnellement l'exécution, devra enfin nous permettre d'éliminer l'analphabétisme et d'accélérer le processus d'intégration de nos masses populaires dans le circuit du développement économique national. Cette nouvelle philosophie de mon gouvernement qui vise à transformer l'homme haïtien en citoyen responsable sera mise en application dans toutes les écoles et permettra à l'enfant et à l'adulte de retrouver leur identité culturelle pour participer activement à la grande combine du développement. La jeunesse, espoir indéniable, doit contribuer à la gloire de notre pays. Dans ce but, j'ai créé un nouveau ministère qui puisse mieux assumer une partie de la formation de nos enfants, connaître et analyser la ressource de nos fils et de nos filles. Mes faveurs et ma protection sont toutes acquises à la noblesse et à l'engagement de cette jeunesse que je chéris du plus profond de mon être. L'inventaire de nos actuelles installations sportives, tant de la capitale que des provinces, révèle de gros empêchements à une pratique généralisée des sports. La commission scolaire, dont le travail et l'avenir sont indissolublement liés à la présence et à la participation parentale, a conçu un vaste programme qui permette l'initiation et bientôt facilitera le développement des compétitions de toute classe et de toute catégorie d'élèves et d'étudiants. D'ailleurs, pour préparer l'enseignement et la diffusion du football, du volley-ball, du basketball, un stage de perfectionnement et de recyclage fut organisé pendant l'été 1979.
Port-au-Prince et sa banlieue vont bénéficier des études de la Secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, complétées par les compétences du département des travaux publics. Cette conjonction nous vaudra la création d'un complexe sportif dans l'aire de l'exposition. Les installations serviront aux trois grands sports et au tennis. Le futur centre sportif d'Adadou, de Saint-Martin, ouvrira ses portes aux enfants de Dalma et des environs, certainement avides de pratiquer en toute aisance et sécurité le tennis, le volley, le basket et le football. L'ancien parc Saint-Louis, revalorisé, attirera les gosses et les jeunes du Bel Air et de sa périphérie. Les mesures de mon gouvernement s'étendront aux écoles de la République, dont les terrains constitués fourniront des moyens et d'éventuels équipements immédiatement utilisables. L'Institut national supérieur d'éducation physique et des sports, que nous comptons ouvrir, dispensera un enseignement théorique et pratique aux futurs agents de ce domaine important de la santé sportive. J'ai passé des instructions pour la création de directions départementales qui conduiront la ligne de la politique sportive et socio-éducative de mon gouvernement. La tutelle qu'exerce le ministère de la Jeunesse et des Sports sur les groupements nationaux n'est pas un décret virtuel, mais un guide de collaboration, un vecteur de progrès, un centre d'équilibre moral et intellectuel de nos enfants. Les artistes et les athlètes de ce pays sont déjà nés. L'aube de la nouvelle décennie leur apportera l'infrastructure nécessaire à leur entraînement, indispensable à leur épanouissement. Centres culturels, gymnases, terrains de jeu, tels seront les lieux de rencontres propices à solidariser les jeunes de mon pays, favoriser le développement des groupements communautaires, asseoir le patrimoine national. L'effort gouvernemental, bien compris, soutenu et transmis par les éducateurs déjà en activité, tend à débloquer les entraves de la promotion sportive et culturelle de notre jeunesse. Je promets de nombreuses semences de développement en 1980. J'ai foi dans le courage, la ténacité et la remarquable créativité de mon peuple. Cependant, je compte également la coopération de la communauté internationale, dont la bonne volonté à notre égard ne s'est jamais démentie. D'ailleurs, le cheminement de notre diplomatie sur le nouveau podium international, sous-tendu par les concepts modernes de l'interdépendance entre les peuples, n'a point manqué de soulever l'intérêt mondial. La rentabilité de cette orientation de notre politique étrangère est manifeste. Elle nous a acquis le renforcement de notre amitié traditionnelle avec la puissance de l'Amérique du Nord, de l'Europe occidentale et de l'Amérique latine. De plus, Haïti participe résolument avec les pays du tiers-monde à des actions conjointes en vue d'instaurer un nouvel ordre économique plus équitable. La totale ouverture de notre diplomatie en direction des pays et des institutions du tiers-monde et de la Caraïbe est appelée
à contribuer valablement à notre stratégie globale de promotion de tous les secteurs de l'activité nationale. Dans la conjoncture actuelle, il est indéniable que l'impact de la coopération bilatérale soit une nécessité au palier économique, technique et culturel de notre développement. Aussi avons-nous fait de cette conviction le moteur des démarches de notre politique étrangère. Au niveau bilatéral, le gouvernement a engagé des négociations qui doivent conduire à l'instauration d'une structure de coopération entre Haïti et divers États de la Caraïbe, notamment la Jamaïque, la Barbade, Trinidad et Tobago. Nous avons commencé à recueillir les fruits de la coopération haïtiano-dominicaine, illustrés par le sommet historique de Jimani-Malpas et très vite concrétisé par l'édification en commun du barrage des Pédernales. L'accord de base que nous avons signé, le président Guzman et moi, détermine l'intensification progressive d'échanges favorables au développement et au progrès des deux peuples qui se partagent la souveraineté de l'île. Sur le plan continental, nous nous sommes préoccupés de raffermir nos relations d'amitié avec les nations sœurs. C'est ainsi que nous avons ratifié en février 1979 l'accord délimitant la frontière maritime entre Haïti et la Colombie, pays avec lequel nous avons conclu un accord de coopération culturelle, scientifique et technique. De même, nos rapports privilégiés avec les États-Unis d'Amérique du Nord se développent dans le sens d'une coopération plus fructueuse. Mon gouvernement et le peuple haïtien souhaitent que l'assistance fournie par le grand voisin soit diversifiée et renforcée dans celui des investissements privés. La coopération haïtiano-canadienne s'est engagée dans des voies de grand intérêt pour le développement de notre pays. Des résultats concrets ont été enregistrés au profit de l'encadrement technique, administratif et pédagogique du secteur agricole. Un rapprochement certain entre la République d'Haïti et la communauté économique européenne se précise. Celle-ci nous a manifesté son désir de coopération en fournissant une assistance financière au projet de développement rural de Jacmel, à ceux de dimension sanitaire comme l'adduction d'eau potable dans plusieurs communautés rurales. La CEE envisage également la possibilité de participer à la construction d'une route de désenclavement de la presqu'île du Sud. La France, si proche de nous par la communauté de langue et de culture latine, a contribué à la restructuration et à la modernisation de l'aéroport du Cap Haïtien. Elle continue sa prestation, combien précieuse, dans le domaine de la pédagogie et de la technique. D'autres pays du vieux continent, le Danemark, l'Autriche, l'Italie, ont aussi collaboré au programme de formation de cadres par l'organisation de stages et de séminaires intéressants, la planification administrative, économique et écologique. Une place de choix revient à la République fédérale d'Allemagne, dont l'assistance est inscrite sur les murs du barrage de Douai et continue de se manifester dans les réalisations et projets d'infrastructures agricoles, énergétiques et industrielles. Dans un avenir très proche, nous envisageons d'accentuer notre présence dans les pays scandinaves par l'établissement de missions diplomatiques. De leur côté, certains pays de l'Europe de l'Est, notamment la Pologne et la Roumanie, ont entamé des pourparlers avec mon gouvernement en vue d'établir des rapports diplomatiques
et économique plus intense avec la République d'Haïti. La diplomatie haïtienne a également entrepris d'élargir sa coopération avec la République de Taïwan et d'élever au rang d'ambassade sa représentation au Japon. Elle explore en même temps des possibilités de dialogue avec un plus grand nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient en général, et en particulier avec les États producteurs de pétrole qui occupent de plus en plus, au fil des événements de la crise énergétique, une place prépondérante sur l'échiquier international. Notre seule réserve de nature à la fois idéologique et conjoncturelle est exprimée récemment par un jugement sévère à propos du conflit opposant Washington et Téhéran. Aux grandes instances internationales, à l'OEA, aussi bien qu'à l'ONU, la voix d'Haïti n'a jamais manqué de soutenir toute la coalition du monde libre pour la défense de la paix. De même que nous appuyons sur les principes de l'autodétermination des peuples et de la non-discrimination, nous nous sommes prononcés pour l'émancipation immédiate des majorités nationales de l'Afrique australe et avons réaffirmé notre réprobation de la politique d'apartheid si attentatoire aux droits fondamentaux de la personne humaine. Nous aurions manqué à notre vocation historique fondamentale si nous n'avions élargi notre politique étrangère sur le champ de l'Africa Mater. En effet, des relations diplomatiques ont été nouées entre la République d'Haïti et la Guinée, dont le président Ahmed Sékou Touré a signé avec moi un accord de coopération. Notons aussi celle établie avec le Nigeria, le Gabon et le Niger. Hommes et femmes de mon pays, dans la foulée, la victoire du coup à coude fraternel de l'an 23 de l'ère du Valérian, nous abordons l'avant-dernière décennie du XXe siècle. Nous l'abordons, fiers de nos origines, anoblis par le dépassement dans le combat pour notre promotion et celle de nos frères du tiers-monde. Nous l'abordons, régénérés par la marche de progrès et notre évolution économique sous les signes de l'unité nationale. Nous l'abordons, le regard tourné vers les horizons de paix et de grandeur de la nouvelle Haïti, ensemencée par la geste des aïeux. Le cortège des exigences et des tâches patriotiques de la décennie qui s'ouvre n'est pas inaccessible aux vertus héritées des fondateurs. Ainsi que s'achève, ponctué par la rumeur d'un lendemain immense auquel nous légitime nos démarches révolutionnaires. Encore un an d'action constructive à mettre au monde pour se rapprocher encore plus de la société exemplaire de plénitude humaine recherchée par notre quête. Encore un an de conduite nationale en hommage victorieux du développement haïtien, pour qu'à nouveau nous retrouvions, vous et moi, à cette tribune balayée par le souffle de 1804 pour mesurer le chemin parcouru et puiser de nouvelles énergies à la mystique dessalinienne à laquelle s'abreuva le griot de 1957. Je veux nommer le doctrinaire François Duvalier, mystique, qui demeure seul de la Révolution au pouvoir. Tel est mon premier vœu, haïtiens mes frères d'ici et d'outre-mer, que je veux avoir rassemblés et confondus autour de moi la recherche commune du bonheur de la patrie, dont j'entends poursuivre l'enrichissement et l'embellissement avec vous et pour vous dans l'union qui fait la force. L'honorable première dame de la République et moi, nous voulons ajouter des souhaits de succès personnel que nous étendons aux représentants des puissants amis, des nations sœurs de l'hémisphère, des organismes internationaux et aux résidents étrangers, dont le grand homme, éducateur de carrière, commerçant, et promoteurs industriels sont engagés avec nous dans l'œuvre de reconstruction nationale. La nouvelle Haïti, par ma voix, leur dit à tous bonne et heureuse année 1980.
Mesdames, Messieurs, vous avez suivi en direct sur nos ondes le discours traditionnel du président de la République, M. Jean-Claude Duvalier.